Apparemment, il y a encore quelques catholiques en Belgique. Jullie zijn er. Hierbij moet het neerleggen. Ik zit met een heese stem en kan bijna niet meer spreken. Probablement qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui voulait me faire taire. Et il faut bien vous y résigner. Twee jaar geleden, de gelegenheid van de wereld, jongere dagen in Madrid, heb ik een boek gelezen. Dat was secularisme mij al bevoren had. Il y a deux ans, lors de chirurgie Madrid, j'ai lu un livre dont un de mes secularistes, qui est là, m'avait recommandé la lecture. Homme et prêtre, geschreven door le pater Michel-Marie Zanotti. Ik heb dat boek gelezen, j'ai lu ce livre, et c'était un livre de feu. Ce feu m'a incendié. En dat heeft mij ook toegebracht in december van datzelfde jaar 2011 naar Marseille te gaan om die beroemde parochie van die beroemde priester te bezoeken. Et c'est ainsi que, à la fin de la même année 2011, j'ai voulu me rendre à Marseille pour visiter cette paroisse tenue, animée par le prêtre Michel-Marie. Et c'était une paroisse incendiée par le feu de l'amour de Dieu. Une flamme stante. Et donc, quand le projet est né en mon cœur de lancer cette journée, une première journée de prière pour la conversion du cœur humain et la guérison de l'humanité, j'ai voulu inviter ce prêtre pour que se réalise la parole de Jésus. Ik ben vuur, kom me gooien op aarde. En nu verlang ik dat dat vuur al overal oplaait. Et en invitant le Père Michel-Marie, j'ai voulu que se réalise ici, aujourd'hui, pour nous. Cette parole de Jésus dans l'évangile de Luc, je suis venu jeter le feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit partout déjà allumé. Père Marie, Père Michel-Marie, vous êtes le bienvenu. Paroles si chaleureuses. Cher Monseigneur, chers frères et sœurs bien-aimés, laissez-moi tout d'abord vous dire la joie qui m'envahit en ce moment à la pensée que je suis ici et maintenant près de vous, en cette basilique si impressionnante de beauté qui, d'une certaine manière, mais ne m'en veuillez pas de vous dire cela, appartient aussi à la France. Du moins, cette basilique doit quelque chose à la France, puisque c'est après avoir visité en 1902, le chantier de la basilique du Sacré-Cœur à Paris, que votre roi Léopold II décida de la construction de cette merveille que je découvre aujourd'hui et qui, je l'avoue, me laisse sans voix. Et pourtant, il faut que j'aie encore de la foi. Car je suis venu de Marseille pour vous dire trois mots qui, à la fin, en feront mille, à la demande de Monseigneur Léonard, à qui je ne veux rien refuser, parce qu'il est un grand apôtre.
Mais avant de vous dire ce que je porte en moi pour vous, sachez que ma plus grande joie est de prier en ce moment avec vous la très sainte Trinité pour une intention qui pourrait à première vue sembler excessive, mais qui en vérité est aux dimensions du cœur du Christ, à savoir la conversion et la guérison du cœur humain, rien que cela. Et en même temps, voyez, c'est un grand honneur que vous me faites que de participer avec vous au lancement officiel du mouvement international Maranatha, qui, j'en suis sûr, va s'étendre dans toutes les nations, surtout dans celles qui sont les plus exposées à oublier la source d'amour, de paix, d'unité, de bonheur qui s'appelle Jésus. Car c'est toujours, si vous m'applaudissez toutes les deux minutes, on ne va pas s'en sortir. Car c'est toujours vers Jésus, oui, c'est toujours vers lui qu'il faut revenir, ou plus exactement, c'est toujours par lui qu'il faut commencer. Sans attendre, permettez-moi de préciser que je viens vous visiter comme un frère et que les paroles que je vais prononcer n'ont pas la prétention de vous enseigner quoi que ce soit. Elles sont pour vous, elles sont pour moi. Peut-être que travailleront-elles, au-delà de ce temps de prière que nous vivons actuellement, à effectivement guérir le cœur humain. Et c'est évidemment ce que je souhaite de grand cœur, car je ne veux pas avoir fait 10 heures de train pour rien. Là, vous pouvez m'applaudir. Ce que je vais maintenant vous confier, je crois pouvoir affirmer que ce ne sont pas seulement des idées en l'air, mais du concret, du vrai, du palpable, en un mot de la vie. André Malraux a eu bien raison de nous mettre en garde contre un monde d'idées complètement déconnecté avec le réel. Et il eut ce mot fabuleux, les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être vécues. Fort de cette vérité, mes frères bien-aimés, nous avançons maintenant et nous travaillons ensemble à la guérison du cœur humain. Du cœur humain. Mais qu'est-ce que je dis là? La guérison du cœur humain au singulier. Mais comme c'est singulier, de quel cœur s'agit-il? De qui parle-t-on? Tous les cœurs se ressembleraient-ils? Tous les cœurs seraient-ils donc malades? Serait-ce avoué que l'humanité, en tous ses cœurs, ne tourne pas rond? Je ne le crois pas. Et même si partout on a bien l'impression que, sur le plan humain et bien évidemment sur le plan spirituel, bien des cœurs sont nécrosés et frisent l'infarctus, et que bien des sociétés entières aussi, notamment européennes, perdent de vue le bien intégral de la personne humaine en allant jusqu'à étiqueter des lois délirantes qui s'opposent au bon sens, il y a tout de même, et c'est sûr ce que je vous dis là, il y a des cœurs qui battent juste. En quelques endroits du monde, des êtres qui pensent bien et qui vivent droit. Cependant, je pense que si l'on disait à ces personnes aux idées bien claires, désireuses d'accomplir le bien, vos cœurs se portent au mieux, elles répondraient, oh, ne croyez pas cela. Il y a des jours où nous perdons les pédales, il y a des jours où nous nous égarons, il y a des jours où l'égoïsme reprend pied et domine les journées. Il y a des jours où notre vie n'est plus foncièrement honnête et juste comme une balance pourrait l'être. Il y a des jours où nous ne savons pas quoi penser tant nous sommes ballottés au gré des vents contraires. Il y a des jours où même notre foi s'abîme, se corrompt et où les doutes même nous envahissent. C'est dire, mes frères, que si l'ensemble des cœurs humains n'est pas malade, chaque cœur court en notre temps le danger de l'être, parce que chacun de nous se retrouve enserré dans un conditionnement humain, que dis-je, souvent inhumain, reconnaissons-le, qui secoue fortement l'arbre de nos vies. Heureusement que le Christ est là pour éclairer nos existences et les remettre dans le droit fil. Tous les cœurs ont donc besoin, un jour ou l'autre, pour ne pas dire tous les jours, d'être redressés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, ne m'en veuillez pas de mettre tout le monde dans le même sac. Le Christ lui-même l'a fait un jour. Souvenez-vous quand il s'est décrié, cette génération est mauvaise.
Acceptons, mes frères, que la nôtre le soit aussi. Ne soyons pas des orgueilleux. D'ailleurs, il suffit déjà de regarder ce qui se passe dans notre propre cœur pour constater qu'il est souvent malade et qu'il réclame une guérison. Et c'est pourquoi nous sommes venus prier en ce jour, parfois de très loin, dans ce lieu magnifique consacré au Sacré-Cœur de Jésus, qui est le cœur parfait par excellence. Et vraiment, nous avons bien fait, car seule la prière peut, de son énergie d'amour, de sa puissance interne, rejoindre tous les habitants de l'univers et verser en chaque cœur les grâces nécessaires à son relèvement. Par notre prière, mes frères, soyez-en convaincus, il est en soi possible que nous obtenions aujourd'hui, cet après-midi, de Dieu, oui, maintenant, une intervention qui appartiendrait à l'ordre des signes et qui, par son caractère surnaturel, éclairerait l'intelligence de l'homme, plus encore l'ébranlerait de manière à ce qu'elle se tourne vers son Créateur. Il est évidemment impossible d'ici de dire ce que ce signe pourrait être, mais ce qui est sûr, c'est que rien n'est impossible à Dieu, surtout quand il perçoit le feu de la prière s'emparant du cœur de ses enfants. Par notre prière, il est également possible de hâter le retour du Christ, c'est-à-dire son ultime venue en majesté pour clore l'histoire du monde et par là même faire entrer l'humanité tout entière dans la gloire où rien de malade, rien de blessé, rien de faussé ne pénètre. Et qu'il revienne notre Christ, Maranatha, le plus vite possible, grâce à notre prière. Une prière qui peut vraiment précipiter sa venue, mais mes frères, tous les jours dans votre chambre, partout, il faut que vous demandiez ce retour, il faut que Jésus vienne essuyer toutes les larmes de tous les yeux. Il y en a assez de toute cette misère qui couvre la terre, tous dans le paradis, allez. Nous allons y aller, mes frères bien-aimés. Rappelons-nous surtout aujourd'hui que la prière est une arme puissante, c'est l'arme la plus puissante après la parole et le silence. Par conséquent, nous qui le croyons, si nous voulons avoir une action sanitaire, et oui, puisqu'il s'agit de guérir le cœur humain à l'échelle mondiale, il faut que nous demeurions de grands priants, et qu'à longueur de jour et de nuit, notre âme de prière, nos morceaux de chapelet, nos baratinages s'élèvent vers le ciel. Voilà le premier moyen, le meilleur, l'indispensable, qui nous est donné pour guérir le cœur humain. Qui ne prie pas reste dans son jus et abandonne l'humanité à elle-même. Voilà pour l'action que vous allez faire. Mais maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que nous serions concrets. Il faut aussi que nous soyons bien conscients que nous devons travailler à la guérison de notre propre cœur. C'est très important que nous nous retournions vers nous. Autrement dit, que nous travaillions à la réforme de notre vieille carcasse intérieure. Et pour ce faire, croyez le docteur Michel Marie qui nous parle, il n'y a que deux chemins. Le premier chemin, c'est le chemin des sacrements, en particulier le sacrement de la réconciliation qui porte bien son nom. Et c'est pourquoi les prêtres doivent être présents dans les églises pour accueillir les personnes qui pourraient avoir l'idée de se réconcilier avec Dieu. Notre première maison, c'est l'église. Et je vous assure que dans ma paroisse à Marseille, je me rends compte à quel point la présence du prêtre peut être efficace, même si c'est un pauvre, même s'il est misérable. Il est là avec les pouvoirs de Dieu à la disposition de la foule qui se présente dans les églises. Que tous les prêtres soient dans les églises. Et puis, bien sûr, dans ce chemin des sacrements, d'une manière particulière, il y a évidemment ce sacrement de l'Eucharistie, puisque l'Eucharistie, c'est la personne même de Dieu, mise à la portée de l'homme et de son cœur. Et là aussi, mes frères, vous le savez, lorsque la liturgie est bien célébrée, lorsque la messe laisse transparaître la beauté de Dieu, mais les églises sont pleines,
pas de problème. À belle liturgie, église pleine. C'est ce qu'il faut partout, dans tous nos pays, en France et partout ailleurs, croyez-moi. Il faut que la messe soit célébrée magnifiquement pour dire quelque chose de la beauté de Dieu. Et puis le deuxième chemin, alors que Dieu nous donne pour guérir notre cœur, évidemment, c'est celui de l'imitation du Christ. Voilà l'ordonnance. Il s'agit de vivre du Christ qui, par ses sacrements, passe dans le cœur de l'homme et le guérit. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous vont faire tout à l'heure avec bonheur en se confessant et en communiant. Et vivre comme le Christ sur chaque minute qui passe en nous inspirant, que dis-je, en copiant sa manière de penser, de se comporter telle que l'Évangile nous la livre. Grâce au sacrement, grâce à l'imitation du Christ, ce sera gagné. La transplantation cardiaque sera réussie. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, de greffer le cœur du Christ à la place de notre propre cœur. Et alors vous allez voir s'il va battre merveilleusement. C'est donc bien entendu, mes frères, la guérison de notre cœur ne peut être obtenue qu'en ayant recours au sacrement que l'on appelait au Moyen-Âge les saints Bonaventure. C'est régalé à employer ce terme, les remèdes sacramentels. Ce sont donc des médicaments qui nous sont offerts et qui ont le pouvoir de guérir nos vies et de nous faire vivre de la vie même du Christ. Quant à l'imitation de sa personne, elle ne peut advenir que par une descente vertigineuse de notre intelligence dans l'Évangile. Il n'y a pas d'autre voie. Et là, il faut avouer que nous ne sommes pas très forts. Je parle bien sûr de moi et peut-être de vous, car nous pouvons connaître par cœur l'Évangile et même être champions d'exégèse, disséquer chaque verset pour en donner le sens originel, mais continuer de vivre à l'extérieur de la radicalité que le Christ exprime. Un peu comme si on vous présentait un beau miroir pour que l'on se regarde dedans. Évidemment, au lieu de regarder dedans, on regarderait le cadre. Oh, quel dommage, car il s'agit bien sûr, mes frères, pour nous, enfants du Père Céleste et amis du Christ, de prendre l'Évangile à la lettre. Mais ne bondissez pas, je vous en prie. Et si vous bondissez, c'est qu'il y a quelque chose en vous qu'il faut guérir. Oui, il faut le prendre à la lettre, cet Évangile, comme le fit un jour, pour de vrai, comme disent les enfants, saint François d'Assise et bien d'autres saints derrière lui. Pas fous les saints, mais fous quand même. Certes, autant le dire tout de suite, puisqu'on est en famille aujourd'hui, prendre l'Évangile à la lettre, ce n'est pas toujours bien vu. Ce n'est pas toujours bien estimé par nos petites raisons résonantes qui essaient bien souvent de contourner l'absolu que les propos du Christ contiennent. Voulez-vous donc, mes frères, qu'ensemble, nous guérissions en profondeur notre propre cœur et que nous montrions aussi au monde ce qu'est vraiment un cœur chrétien? Parce qu'encore une fois, à moins d'une intervention divine, le monde ne peut changer que par capillarité. Autrement dit, par le témoignage que nous offrons personnellement et par la vie de nos communautés chrétiennes, complètement régies normalement par des principes évangéliques. Et puis entre nous, ce serait quand même sensationnel qu'avant de mourir, nous essayons, vous et moi, de vraiment imiter le Christ. Souvent, je vous avoue que je suis pris d'une crainte, celle justement de mourir, sans avoir essayé l'Évangile pour de bon. Car voyez-vous, il faut bien reconnaître que souvent, nous ne buvons pas à la source limpide de l'Évangile. Nous allons boire à bien d'autres robinets dont les canalisations trouvent leur source dans l'esprit du monde. Nos idées sur les choses et sur les êtres sont trop souvent dépendantes de notre milieu humain. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais en tout cas, la radicalité de l'Évangile peut en souffrir. Notre culture, notre éducation, nos conventions sociales et malheureusement notre estime de l'opinion publique, la fameuse bien-pensance, comme on dit aujourd'hui, viennent souvent enlever de la pureté à notre vie qui en vérité n'a besoin que de l'Évangile pour apprécier le réel.
si nous croyons que le Christ est Dieu, et je sais que nous le croyons tous, ce n'est que le Christ et sa sagesse qui doivent diriger notre cœur. L'Évangile est notre charte fondamentale. Et à chaque fois que nous nous écartons de lui, quelquefois de manière très subtile, en disant par exemple « Mais on ne peut pas vivre aujourd'hui comme le Christ et les apôtres ont vécu. » Regardez par exemple quand il nous dit de ne pas nous soucier du lendemain, mais ce serait de la folie. Eh bien c'est ainsi, mes frères, que nous abaissons l'Évangile au-dessous de lui-même et que nous quittons le niveau du Christ. Est-il bien nécessaire, mais oui, je le crois, chers amis, de rappeler ici que tous les saints, depuis la Sainte Vierge jusqu'au dernier canonisé, n'ont vécu que de l'Évangile vécu à l'état pur. Et n'allons pas dire ici que si nous vivions uniquement des principes évangéliques, eh bien nous serions dévorés par le monde. Le monde ne ferait de nous qu'une bouchée, et qu'il faut donc ici-bas que nous fassions quand même le jeu du monde. Attention, attention, c'est par là que l'Évangile se dénature et que le Christ en devient moins crédible. Il s'agit donc pour nous, j'insiste, d'imiter le Christ qui est vraiment notre modèle d'homme. Notre cœur humain ne guérira pas si nous n'allons pas chercher dans celui du Christ ce qui le faisait vivre, lui. Je vous rappelle que le Christ est venu sur la terre pour montrer le plus concrètement possible comment l'homme a été pensé par Dieu son Père et comment il doit se comporter. Alors maintenant, mes frères, si vous le voulez bien, car je voudrais tellement que cet après-midi, nous passions dans le Christ, je voudrais que nous fassions une grande incursion dans sa vie pour que nous remodelions la nôtre et que nos cœurs en soient transfigurés. Si chacun ce soir repartait de cette basilique en se disant qu'il doit imiter le Christ au plus près, en se désenclavant de tous les autres apports qui viennent amoindrir les paroles de Jésus, je ne regretterai pas d'avoir aujourd'hui fait 10 heures de pain pour vous parler 40 minutes. Peut-être 60, j'espère. Nous devons reprendre pied avec la loi évangélique, c'est le grand désir du Christ. La loi évangélique doit régir notre propre cœur, chacune de nos sociétés et le monde entier. C'est en vérité le rêve éveillé du Christ. Et avant son retour, qui peut-être ne saurait tarder, il est donc grand temps que nous qui nous prétendons être ses amis et même ses prêtres, nous marchions à sa manière, à sa vitesse et dans son style. Madeleine Delbrel a dit un jour, en face de l'Évangile, ce n'est pas d'être peu nombreux qui est grave, c'est d'être immobile comme des vieillards. Quel bon conseil elle nous donne là. Alors si vous voulez bien, nous allons descendre maintenant, ensemble, quelques instants, dans la vie même de notre Seigneur. Et commençons donc par regarder le Dieu éternel qui est le Christ dans le sein de Marie. C'est par là, bien sûr, qu'il faut commencer, car il est un état de fœtus. C'est un fait incontournable. Le Christ a désiré être l'embryon de Marie. Par là, il a montré qu'il entendait dépendre viscéralement, c'est le cas de le dire, de sa mère. Mais quelle confiance de la part du Christ! Quel abandon a-t-il vécu à l'égard de ce petit bout de femme de Nazareth, aujourd'hui reine des anges et des hommes? Et puisque notre chance, je n'arrête pas de vous le dire, est d'imiter le Christ, nous comprenons que le cœur humain ne battra jamais parfaitement tant qu'il ne comprendra pas à quel point il doit dépendre, au sens le plus noble du terme, de Marie devenue notre mère. Les premières heures embryonnaires de Jésus nous le crient. Et voyez entre nous, puisque nous sommes entre nous et que nous pouvons nous dire les plus beaux secrets de Dieu, je suis absolument certain, je le vérifie dans ma propre vie et dans ma paroisse et dans les cœurs que je rencontre, que tant que Marie n'est pas installée au centre du cœur humain, tant que le cœur de l'homme ne se laisse pas guider par elle, qui fut la matrice de Dieu fait homme, d'une part, ce cœur ne pourra pas ressembler à son Fils, et d'autre part, l'évangélisation du monde piétinera. Il nous faut donc
entrez en Marie résolument, au-delà des sensibilités religieuses. Parce que très souvent, vous le savez, on dit « Moi, je ne suis pas très attiré par Marie, moi, j'ai peur qu'on en fasse une déesse, moi, le Christ me suffit, Marie, ce n'est pas ma spiritualité, etc. etc. » Et en pensant tout cela, nous sommes fous, nous sommes insensés, parce que nous nous privons d'un trésor très grand, tout simplement parce que nous ne prenons pas le chemin que Jésus a voulu prendre lui-même. Oui, c'est de la folie. Par pitié, demeurons en Marie, dépendons d'elle, laissons-nous guider par elle en menant la vie commune avec elle. Et c'est facile, mes frères, ça vient tout seul, au lieu de nous parler à nous-mêmes, parce que bien souvent, nous nous faisons de beaux discours intérieurs. Parlons à Marie, parlons-lui de ce qui nous occupe, de ce qui nous préoccupe, et aussi de ce qui nous réjouit. Et vous allez voir si les affaires de notre vie vont progresser, non seulement les affaires spirituelles, mais aussi nos affaires les plus terre-à-terre qui l'intéressent aussi. Laissons donc tomber toutes nos histoires de sensibilité spirituelle, surtout si elles sont là pour nous faire perdre Marie en route. Vous savez que Maximilien Kolb, quand on lui disait que Marie était le chemin qui conduisait au Christ, eh bien il en était extrêmement peiné, car il était alors sous-entendu que lorsqu'on arrivait au but, le chemin devenait inutile. Marie, chemin, il n'acceptait pas cela. Il jugeait qu'il y avait là une offense faite à Marie, mais aussi au Christ, qui lui était resté avec Marie pendant 30 ans, et qui de plus l'avait mêlé aux plus grands événements de sa vie publique, et donc d'une certaine manière à la rédemption du monde. Par conséquent, mes frères bien-aimés, la guérison du cœur humain passe par des heures, des journées et des années vécues auprès de Marie. Et là, il faut que cela soit très concret. Il s'agit de vivre avec elle et d'annoncer autour de nous qu'elle est nécessaire aux pulsations de notre cœur. Un jour, je me souviens, j'ai rencontré un garçon complètement perdu. Il appartenait à un groupe de gothiques. C'était une grande grâce pour moi, vous savez, que de rencontrer un tel garçon. Car rencontrer des personnes éloignées du Christ, c'est un beau cadeau qui est fait aux prêtres. Chaque fois que je rencontre une personne qui ne croit pas en Dieu ou qui est étrangère à la foi, je me dis, mais c'est merveilleux, j'ai le public de Saint-Paul, allez, vas-y mon gars. Pour en revenir à ce garçon, au tout début de notre dialogue, il m'a dit, surtout ne me parlez pas du Christ, il a des paroles terribles. J'avoue qu'intérieurement j'avais été peiné par ce propos, mais tout de suite il ajouta, si vous voulez, parlez-moi de Marie. Et c'est par elle, je vous le promets, que ce garçon remonta jusqu'à Jésus lui-même. Et aujourd'hui, il est debout, bien dans sa peau, il est marié, il a une petite fille épanouie dans sa foi. Grâce à la Sainte Vierge, il faut bien le reconnaître. Quand on perd comme, laissez-moi encore vous raconter une histoire, puisqu'on a tout notre temps, mon train n'est qu'à 17h13, ça va hein? Donc Maximilien Kolb, j'y reviens, lorsqu'il s'installa au Japon avec quatre de ses frères, en 1930 à Nagasaki, il plaça devant la porte de leur pauvre maison une très grande statue de Marie. Il avait d'ailleurs illuminé. Il faut dire que quand il s'était rendu au Japon, il avait fait une escale en Chine, à Shanghai. Et là, pour la première fois de sa vie, il avait vu la ville couverte d'illuminations. Il n'avait jamais rien vu pareil, dans sa profonde Pologne, bien sûr, mais même pas à Rome où il avait fait ses études. Et du coup, il avait volé cette idée d'illumination, et c'est la Sainte Vierge qui en profita. Et quand les Japonais passaient devant leur pauvre couvent et apercevaient la statue de notre mère illuminée, ils demandaient au Père Kolb, mais qui c'est cette dame? Et là, Maximilien commençait, eh bien, cette dame, c'est. Et c'est effectivement par elle qu'il montait jusqu'au Christ sans plus jamais les séparer. Tout partait donc d'elle et tout partait bien. Mais frère, il est inutile de multiplier les exemples. Vous avez compris que le renouvellement du cœur humain ne peut advenir qu'à travers l'accueil de Marie dans notre propre vie et dans la volonté de la faire connaître, sans crainte d'éclipser le Christ. Arrêtez avec cela.
on fait le jeu du démon. En vérité, je vous le dis, plus la mère sera connue, plus le fils sera reçu. Et maintenant, si vous voulez bien, nous avançons, nous regardons le Christ sur la paille, car c'est bien ce qu'il a choisi pour sortir au grand jour à Bethléem, la maison des animaux, avec sa mangeoire pour berceau et du foin pour matelas. Voilà le goût de Dieu. Simplicité, sobriété, allons-y, pauvreté. C'est ainsi, mes frères, que l'Évangile va faire son lit. Et là, nous comprenons que le cœur installé dans des draps de soie est un cœur en danger de mort. Là encore, il faut que nous soyons concrets, car le cœur des hommes, c'est-à-dire le nôtre, est souvent trop enlisé dans le confort et le bien-être qui l'étouffe. Il ne faut pas avoir peur de le reconnaître. Je parle bien sûr de notre Occident. J'imagine que vous allez me répondre qu'il y a beaucoup de pauvreté autour de nous. Et croyez bien que j'en suis conscient comme vous. J'habite moi-même un quartier où le niveau de vie est extrêmement bas. Et par conséquent, je voudrais comme vous que l'ensemble de la population soit enveloppée d'un bien-être plus grand. Cependant, en ce moment, c'est à votre cœur, c'est à notre cœur chrétien que je parle, et par conséquent, à mon propre cœur. Si nos cœurs sont emmitouflés, bien au chaud, sous la couette du confort, et qu'ils ne parviennent plus à battre en dehors de conditions optimales de bien-être, c'est le signe que notre cœur est bien malade. Et en vous disant cela, je repense à ce mot du Père Lacordaire, qui fut, comme vous le savez, l'un des plus grands prédicateurs français du 19e siècle. Il disait aux religieux, mais aussi aux prêtres, que votre lit ne soit pas trop douillet, sinon vous n'aurez plus aucune envie de quitter votre maison pour aller prêcher. Bien envoyé, mais cela vaut aussi pour tous les baptisés qui, par vocation, je vous le rappelle, sont des pèlerins, des étrangers ici-bas, des nomades épris de notre Seigneur Jésus-Christ et non des biens matériels. Désinstallons-nous, mes frères bien-aimés, et contentons-nous de ce que nous avons. Ne rêvons pas à plus confortable. Choisissons la maison des animaux. Heureux les pauvres de cœur, ils verront Dieu. Le monde occidental, mes frères, c'est pas la peine que j'insiste, mais j'y reviens quand même un peu. Parce qu'il est gavé, refuse Dieu. C'est bien ce que nous voyons, n'est-ce pas? Chacun construit son petit bonheur. Et encore une fois, cela nous regarde, mais nous qui prétendons être les amis du Christ, et même ses frères, nous devons vivre dans une autre lumière. Et en premier lieu, il est donc important que nous simplifions notre monture, d'abord pour faire plaisir à Jésus, et c'est le motif essentiel qui va présider à nos choix de vie, mais aussi pour que les malheureux que nous rencontrons sentent tout simplement que nous leur ressemblons. Le chrétien, ou le prêtre, ou le religieux, se doit d'appartenir à aucun milieu particulier. C'est très important ce que je nous dis là. Et même si sa naissance l'a placé dans tel ou tel groupe humain, son baptême ou son sacerdoce le place uniquement dans le groupe du Christ, qui ne connaît qu'une loi pour l'organisation de la vie, celle de la simplicité. Pourquoi? Eh bien, parce que l'homme simple attire non seulement ce qui est simple, c'est-à-dire le pauvre et le malheureux, mais aussi le riche qui, d'une certaine façon, est attiré par ce qui est authentique. Il ne s'agit pas, bien sûr, pour nous de devenir des misérables, mais d'être simple. Ce mot dit tout. Simple dans notre vêtement, simple dans notre maison, simple par le choix de notre voiture, simple dans notre approche. Tout est important. Pensez à la soutane qui n'avait rien du smoking, chez un Don Bosco ou un Vincent de Paul, se rendant chez le roi d'Italie ou chez le roi de France, reçu avec beaucoup d'égards et marquant par leur simplicité les intelligences les plus hautes et les plus comblées. N'espérons donc pas guérir le cœur humain enlisé dans les biens matériels si nous ne donnons pas, nous, les fils du Christ, le témoignage de simplicité qu'il exige de nous. N'emportez rien pour la route, ça vous dit quelque chose, non? Eh bien maintenant, regardons le Christ, avançons. Regardons-le avec une planche sur l'épaule, dans l'atelier de son père adoptif. Ce cher Saint-Joseph que nous ne prions pas assez.
Là, Jésus ne joue pas au charpentier. Il a travaillé, et j'en suis sûr, de longues heures, et d'ailleurs de longues années, depuis peut-être l'âge de 12 ans, jusqu'au départ pour sa vie publique autour de ses 30 ans. Ah, il a eu le temps de mesurer les angles, de scier, de raboter, d'ajuster et d'être couvert de la tête aux pieds de copeaux. Le travail, c'est son affaire. Oh, que j'aime cette parole qu'il a prononcée sans doute avec beaucoup d'élan et que saint Jean rapporte dans son évangile. Mon Père et moi, dit Jésus, nous travaillons sans cesse. Là encore, mes frères, il faut le dire, le cœur humain se répare dans le travail intensif. D'ailleurs, tout laisse à penser, la première page de la Bible en fait foi, que Dieu a créé l'homme travailleur. Écoutez le Saint-Esprit dans la Genèse. Il prit l'homme et le mit dans un jardin pour le cultiver. Le cœur chrétien est donc un cœur qui travaille, donc un cœur qui ne perd pas son temps. Et même, voyez, dans nos paroisses, dans nos organisations ecclésiales, il faut que nous fassions attention à ne pas passer notre temps à refaire le monde autour d'une table. Je ne dis pas que le dialogue est sans importance et que ce n'est pas là un travail utile, mais jamais nous ne devons oublier qu'à nos portes, il y a des milliers de personnes qui ne croient pas en Dieu, qui sont littéralement perdues, qui ne fréquentent pas nos paroisses, qui sont très loin de nos plans pastoraux et qui ont besoin de rencontrer le Christ, j'oserais dire de le toucher. Et si nous passons notre temps à refaire le monde entre nous, jamais le cœur paumé ne sera retrouvé par le bon berger qui, lui, l'évangile en témoigne, s'est bougé et descendu dans les ravins pour aller retrouver les fils perdus. Malheureusement, je le constate en France, je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais beaucoup de laïcs de bonne volonté passent leur temps dans les églises à aider le prêtre, ce qui en soi est bon. Mais ce n'est pas, et le Concile Vatican II l'a rappelé avec force, la vocation première du baptisé, qui est d'imprégner d'évangile toute la société, et non les sacristies et les locaux paroissiaux. Si tous les chrétiens habités par le Christ multipliaient leurs relations amicales, fréquenter les lieux publics, aller à l'opéra, au théâtre, se mêler tout simplement à la vie des gens, ne serait-ce qu'en prenant tous les jours un petit café ou une bonne bière dans un bar, en parlant avec les uns et les autres, je vous assure que l'Église du Christ rayonnerait et serait enrichie de nouveaux membres. Mes frères, si nous n'entrons pas dans cette perspective, si nous ne travaillons pas concrètement, à évangéliser nos amis et la foule des inconnus, la foi ne se diffusera pas. Nous devons donc travailler intensément, comme le Christ l'a fait, à l'évangélisation d'un monde qui ne le connaît pas ou qui lui est opposé, mais qui au fond est prêt à se rendre. Sans notre action évangélisatrice, je n'ai pas peur de vous dire que le Christ a les mains liées. Il compte vraiment sur nous. Georges Bernanos l'a dit magnifiquement dans une formule choc, « Dieu n'a pas d'autres mains que les nôtres. » Merci. Par conséquent, chers amis, mes frères et sœurs bien-aimés, je n'oublie pas des sœurs, hein. C'est pas parce que je dis mes frères tout le temps, mes frères ça regroupe tout le monde, vous êtes tous mes frères, vous êtes d'accord? Bon, ça va. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si nous tous, prêtres et fidèles, nous n'allons pas vers nos frères qui sont éloignés, je vous assure que progressivement, notre Église va s'effondrer. Rassurez-vous, le Christ est là, il sera le grand vainqueur, mais son grand rêve de saisir toute l'humanité pour la porter dans les bras de son Père, il faut que nous l'aidions à le réaliser. Attention mes frères, parce que l'aide de rien, sans le faire exprès, on peut se la couler douce, ou s'enfermer dans notre petit univers catholique, bien confortable, et dans 10 ans, on se dira qu'on est devenu le petit reste d'Israël, et que ce n'est pas très grave, alors que le Christ, je le redis, n'a qu'un seul désir, rassembler tous ses enfants, et leur donner son corps sacré,
sans lequel l'homme ne peut pas tenir debout, je le crois. Mais il faut que nous poursuivions, mes frères. Nous revenons à Nazareth et au travail intensif du Christ dans l'atelier de son Père. Tenez, regardez-le, le voilà qui vient de quitter la maison et de rejoindre la maison familiale à Nazareth, car il veut nous faire comprendre en ce jour que si le travail est essentiel, nous devons aussi honorer les autres composantes de notre vie, du moins si nous voulons que notre cœur tourne bien. Et je suis sûr de ne pas me tromper en imaginant que Jésus a mangé tous les jours à la table de famille avec Marie et Joseph. Et sans qu'il doute, rentrait-il à la maison à la tombée de la nuit? De même que dans les champs, quand le soleil est couché, l'homme ne peut plus travailler, c'est là la volonté de Dieu exprimée par la nuit qui descend. De même, l'artisan baisse son rideau pour rejoindre les siens de manière à vivre une vraie vie humaine, c'est-à-dire une vie équilibrée, faite de travail et d'affection familiale. Aujourd'hui, mes frères, je ne vous apprends rien en vous disant que le cœur humain est en péril, notamment dans les couches les plus élevées de la société. Et je pense ici aux cadres qui travaillent au sein des entreprises, quelquefois 12 heures par jour, pour boucler leurs fameux bilans, leurs inventaires, négligeant de la sorte leur amour conjugal, la vie de famille et même leurs amitiés. Tout ça pour engraisser le mammouth économique. Oh, mais ce n'est pas là. Ce n'est pas là uniquement la faute des entreprises, qui certes en demandent toujours davantage, c'est vrai, mais c'est aussi la faute des personnes elles-mêmes qui trouvent dans leur travail un dérivatif ou encore le moyen de ne pas régler des problèmes qu'ils ont dans leur couple ou en famille. Ah, croyez le pasteur que je suis, je rencontre tous les jours des êtres qui travaillent comme des dingues pour ne pas se retrouver en face de leur femme ou de leur mari et devoir assumer un quotidien qui ne leur dit rien. Si c'était votre cas, redressez-vous. L'amour, c'est sacré. Nous avons été fabriqués par amour, par l'inventeur de l'amour, et donc pour aimer. Ne l'oublions jamais. Et qui ne vit pas suffisamment pour l'amour et dans l'amour a reçu son cœur en vain, ou du moins a le cœur plein à l'âme. Ta lèpre, disait Jean Giono, c'est de l'amour inemployé. Stop avec l'amour. Suivons maintenant le Christ sur le lac de Tibériade, dans les synagogues, au bord des champs, sur les routes, et observons bien son cœur qui bat pour le royaume de son Père. Dans son enseignement, qu'il est impossible ici de résumer, même si lui-même l'a résumé, en nous disant que toute la loi et les prophètes sont contenus dans le double commandement de l'amour de Dieu et du prochain, je voudrais à présent, parce que je ne peux pas parler quand même pendant des heures, malheureusement pour moi et heureusement pour vous, retenir seulement quelques éléments majeurs de la pensée du Christ, capable de régénérer notre propre cœur. Je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que le souci dominant du Christ, c'est de voir un jour tous les hommes rassemblés dans le paradis de son Père. C'est même la raison d'être de sa venue sur la terre. Au fond, Jésus a voulu guérir le cœur humain, lui apprendre à marcher dans la droiture, dans l'honnêteté, de manière à déboucher un jour en plein ciel et à jouir d'une éternité de bonheur. Dieu s'est donc incarné pour indiquer à l'humanité le but du voyage. Les enfants, c'est par ici le ciel. Voilà au fond l'essentiel qu'il délivre. Remarquons d'ailleurs, mes frères, combien le Christ s'intéresse peu à la politique des hommes. Je suis désolé, mais l'évangile le montre. En revanche, il s'intéresse beaucoup au bonheur terrestre de l'humanité et à son salut éternel, bien sûr. Et encore, quand je dis qu'il s'intéresse à l'humanité, il faudrait préciser à l'homme concret, c'est-à-dire à l'homme qu'il rencontre. Aussi, nous, si nous voulons vivre dans la même lumière, il me semble que sans abandonner la question politique, qui a son importance, nous sommes d'accord, car il a besoin que le cœur chrétien doit travailler à la réforme de la société en espérant l'avoir enfourché les principes évangéliques. Mais avons aussi
que nous perdons beaucoup de temps et beaucoup de salive à défendre celui-ci ou celle-là, ou à pourrir celui-ci, celui-là, devant notre poste de télévision. Rappelez-vous de ce mot magnifique du pape Pie XII. L'Église n'est ni à droite, ni à gauche, mais au-dessus. Et c'est pourquoi, avant de perdre son temps à palabrer sur la cuisine politique, il faut ouvrir la porte de notre maison. Car il y a un homme concret qui est là et qui peut-être a besoin de nous. Vous savez, il lui était possible au Christ de s'emparer du pouvoir à Jérusalem avec la masse d'hommes qui le suivaient. Mais il ne l'a pas fait. Car son royaume, ce sont ses mots, n'est pas de ce monde. Son royaume est un royaume de charité. Reprenons ce vieux mot qui parle si bien à notre cœur. Et par pitié, oui, là encore, le mot est bien choisi. Par pitié, intéressons-nous donc au sort de l'homme concret qui tambourine à la porte de notre vie. Pensons au bien très concret que nous pouvons accomplir par le don d'un sourire, d'une main sur l'épaule, d'une pièce d'argent, d'un bout de pain, mais aussi d'un chapelet, d'une médaille, d'une image qui peuvent toucher l'imaginaire de l'homme perdu et contribuer à le sauver et à lui redonner confiance en l'amour de Dieu. Ici, je veux encore redire, parce que l'enjeu est de taille, que nous constatons dans l'Évangile que Jésus, c'est très important, frères et frères, ne tourne pas en vase clos avec ses apôtres qui croient déjà en lui. La brebis perdue, la Samaritaine, la prostituée, le publicain, Matthieu, Zachée, Marie-Madeleine, voilà ses fréquentations. Et voilà les fréquentations qui devaient être les nôtres. Bien sûr, nous ne sommes pas le Christ, nous ne sommes pas des sauveurs, mais nous sommes des sauveteurs. Et si beaucoup de baptisés ne vivent plus de l'Eucharistie, critiquent l'Église, vivent d'a priori largement fomentés par les médias, et que cette masse tend à devenir un bloc monolithique, c'est peut-être parce que nous, qui pourtant aimons le Christ sincèrement, nous ne sommes pas assez en contact direct avec ces personnes. Elles ne peuvent pas goûter son amour parce qu'il n'y a personne devant eux. Alors, mes frères, je vous le dis bien simplement, il faut ouvrir les ventricules de notre cœur, de notre vie, à bas les replis, les petits combats d'arrière-garde, progressisme, conservatisme, on s'en fiche. Il nous faut un pape comme ceci, il nous faut un pape comme cela, et vas-y que je gifle Benoît XVI en le regardant de haut et en me permettant de juger l'action de cet homme qui s'est donné à fond, c'est une honte. Ici, je dois rappeler encore que les publicains, les sans-loi, recherchaient la présence du Christ. Vous le voyez bien dans l'Évangile. Et vous savez pourquoi ils recherchaient le Christ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils se sentaient bien avec lui. Ils se sentaient compris dans leur faiblesse, dans leur négligence, dans leur péché, compris dans leurs limites et aimés par son amour débordant. Ces hommes et ces femmes recherchaient le Christ parce qu'ils ne voyaient pas dans ses yeux l'ombre d'un seul jugement, mais bien plutôt le soleil de sa confiance. Est-ce que les pauvres, les éloignés de Dieu et même les révoltés, les grands pécheurs nous recherchent? Là, mes frères, nous touchons à un point très important, je dirais même capital, car le monde, et quand je dis le monde, c'est-à-dire ceux qui vivent de l'esprit du monde, ne cessent de porter des jugements sur les uns et sur les autres en les rangeant dans telle ou telle catégorie de manière à les accepter ou à les exclure. Et malheureusement, il faut bien reconnaître que nous aussi, bien souvent, malgré notre baptême et l'interdiction formelle du Christ de juger, nous entrons dans les mêmes ténèbres et nous nous permettons de juger les personnes en contournant le commandement express du Christ « Ne jugez pas ». Il y a en vérité une manière chrétienne de juger les situations, c'est de rejoindre l'intention des personnes. Et quand cette intention ne peut pas être rejointe, nous n'avons pas le droit de juger. Voilà une note caractéristique des enfants de l'Évangile. Il y a ce mot
du grand philosophe Gustave Thibon, qui est extraordinaire, je vous l'offre volontiers cet après-midi. Il disait « La bonté est d'abord dans le regard qui ne juge rien parce qu'il pénètre tout. » C'est dire que qui descend profond dans une personne ne peut plus la juger. C'est aussi dire que si demain, tous les chrétiens du monde passaient dans cette lumière du non-jugement et en vivaient, prêtres compris, le cœur humain souvent accablé par les jugements erronés que le monde porte sur lui, retrouverait son élan et sa joie, et l'Église se remplirait de pauvres et d'exclus. Ce serait l'idéal. Et maintenant, mes frères, pour réparer notre cœur, pour le guérir en profondeur, il faut avoir le courage de monter quelques instants, et nous allons le faire sur la montagne du Calvaire, et de voir le Christ, le visage rempli d'amour, s'offrir en sacrifice sous la plus intense douleur. Sentir que nous avons été aimés à ce point et savoir que cet amour qui s'est manifesté sur la croix est un amour éternel, donc un amour actuel. Mais cela devait suffire à guérir notre cœur. Nous sommes aimés par le Christ, maître de la vie et de la mort, comme personne ne nous aime et ne nous aidera jamais. Par conséquent, notre cœur peut battre tranquille. Jésus est avec nous, avec tout son amour, prêt à le déverser en chacune de nos vies. Tout s'arrange grâce à cet amour, même la mort. Samedi dernier, j'ai enterré un petit enfant de 12 ans. Et je vous avoue bien simplement que mon propre cœur de baptisé et de prêtre était déchiré. Mais je savais aussi, au plus intime de moi-même, qu'au-delà de ce petit cercueil blanc, couvert de tulle, car j'avais voulu signifier ainsi les noces de son âme avec son Jésus, je savais qu'au-delà des affres de la mort, cet enfant allait retrouver son beau sourire qu'il avait perdu depuis longtemps, et que son cœur qui avait lâché sous un dernier assaut de la maladie allait repartir et battre pour toujours. Que le cœur humain soit donc rassuré. Dieu, après l'avoir guéri, veut le faire battre pour l'éternité. Mes frères bien-aimés, il va falloir que je m'arrête. Si vous saviez comme je suis heureux d'avoir pu cet après-midi reprendre avec vous conscience que Dieu notre Père, Jésus son Fils, le Saint-Esprit et Marie notre Mère veulent absolument convertir et guérir le cœur humain, et que pour ce faire, au-delà de tous les chemins possibles, car Dieu a plus d'un tout dans son sac, la grâce des sacrements, unis à la volonté d'imiter le Christ, sont les moyens les plus assurés pour que nous retrouvions la santé du cœur. Avant de vous quitter, car malheureusement il va falloir que je parte tout de suite pour Marseille, je voudrais terminer en remerciant particulièrement votre cher évêque Monseigneur Léonard, qui vous a été donné par Dieu comme père et maître de vie spirituelle. Vous en avez de la chance. Vous avez de la chance d'avoir un tel pasteur. Regardez, je peux le dire, c'est un petit secret, mais c'est pas grave. Monseigneur Léonard a désiré cette grande journée depuis longtemps, il a porté dans son cœur et il a été béni par Dieu. Et puis je voudrais aussi vous faire une petite confidence. Depuis longtemps, j'aime votre pays, la Belgique, grâce à l'un de vos poètes, qui à mes yeux est l'un des plus grands poètes que le XXe siècle nous est offert. Il s'agit d'Émile Verhaeren, né à Saint-Amand, dans la province d'Anvers, en 1855, et entré dans la gloire à Rouen en 1916. Oui, il est dans le ciel, car les poètes sont toujours sauvés. Un jour, à une femme qu'il aimait avec démesure,
comme il se doit quand on aime, il a adressé quelques vers sublimes. Eh bien, si vous me le permettez, je voudrais adresser ces vers de votre part et de la mienne au Christ lui-même, qui est notre amour. Avec mes sens, avec mon cœur et mon cerveau, avec mon être entier, tendu comme un flambeau, vers ta bonté et vers ta charité, sans cesse inassouvie, je t'aime et te louange, et je te remercie d'être venu un jour si simplement, par les chemins du dévouement, prendre en tes mains bienfaisantes ma vie. Voilà mes frères, cette fois-ci, il faut vraiment que je vous quitte, car demain matin, je dois être à mon travail de pasteur. Je vous dis donc au revoir et vous emporte avec moi jamais dans mon cœur, qui, je l'espère aujourd'hui, grâce à vous, s'est un petit peu renouvelé. Je vous embrasse tous, à bientôt peut-être.